Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo, mais pas troisième, on n'est pas encore là, de Donkey Kong Country The Trilogy, donc un fan game sorti cette année en 2021 par un Brésilien fan de Donkey Kong qui nous a fait un beau truc là honnêtement. Pour l'instant on a déjà fait trois premiers niveaux. Et bien on va continuer du coup l'aventure. Allez c'est parti donc pour Aquatic Ambiance 1. Putain alors ça, ça peut que être génial. C'est parti. Ça, on va voir. Oh là là, la musique. Un souvenir de la tendre enfance. Et bon, c'est un remix, hein, mais. Rien à dire. Bon, les graphismes sont tirés de Donkey Kong Country 3. Par contre, non, ça, c'est quoi ça? Hein? Ouais. Oui. Ah, mais ça donne de l'air! Ok, parce qu'il y a un petit sablier en bas à droite là. Ah ouais, putain, on peut manquer d'air ici. Ouh, alors j'adore ce niveau, mais là ça va devenir. Ah ouais, regardez, ça se remplit, énorme. Ok, c'est pas con comme système. Bon, ça va faire chier, ça c'est sûr, mais c'est pas con quand même. Même pas par où il faut aller, mais merde, vas-y. Bon, déjà, on va, mais quel con! Mais je l'avais évité d'un coup. Non, mais je vais retourner, je vais me faire attraper par le requin. Oh. Bon, j'étais juste à côté de la sauvegarde. Bon, ne nous énervons pas. D'air, voilà. Pour l'instant, voilà, comme je disais dans l'autre vidéo, je n'ai rien, absolument rien à reprocher à ce jeu, à part cette histoire avec les animaux là où, bah, je sais pas, on n'arrive pas à sauter, mais ça, à mon avis, faut que je fasse un réglage, j'en sais rien. C'est peut-être un bug, c'est peut-être, je sais pas, faut que je vois. J'ai pas encore, regardé, mais je regarderai pour la prochaine fois, par contre. Parce que du coup j'étais allé là-bas. Ah bah voilà, mais en fait on va devoir aller chercher ça. Pas de bruit là. Wow. Putain, je vous disais, j'avais l'impression d'être dans le son là. Le son, on aurait dit le son. Pour ceux qui connaissent Europa Park là, il y a une attraction qui s'appelle putain merde, Blue quoi. Mais hé, hey, normalement tu dois l'attaquer ce putain de requin là. Et il va vite ce... Non. Ah voilà. Attendez. Ah ouais, je crois qu'on peut attaquer comme ça, voilà. Oui, je disais, ça faisait penser à l'attraction de Europa Park qui s'appelle Blue Fire, ouais. Ah, avec le saxo, mais. Putain. Ah, c'est un bonheur ce jeu, je te jure, c'est. Et je vous conseille de faire vite parce que c'est toujours pareil, hein, Nintendo, rapidement. Ah, reste là. Reviens. Nintendo, là, dès qu'il y a un jeu qui est pas de chez eux, même s'il est magnifique, s'il est encore mieux que l'original, bah, ils effacent. Et ils envoient des procès aussi. J'espère juste que ce mec, là... Oh, merde, putain, de nouveau. Il manque d'air, de nouveau. Parfait. Ouais, je parle. Ah, putain, alors attends. Aller là, peut-être pour ajouter. J'ai eu de la chance. Ouais, parce qu'on vous touche quand un ennemi vous touche et que vous avez un animal là comme ça. En général, il s'échappe, mais là, il était coincé donc du coup, bah, il est directement de retomber sous moi. Con, il y a une flèche. Ouais, attends, mais ils sont quand même un peu sournois eux. Hein. Parce que la flèche elle me dit à la droite, mais à gauche, il y a ça. Eh. Collecter les items des étoiles. Bon, ça a pas l'air bien compliqué. Ah d'ailleurs vous remarquez le décor qu'il y a là, c'est le décor des niveaux aquatiques du Donkey Kong 1. Alors,
Ouais, ça devrait suffire niveau temps. Par contre, on va peut-être récupérer un peu d'air là, parce que... éviter de se noyer là dans un niveau bonus, ce serait un peu con quand même. Je suis en train de me demander pourquoi ça bug. Ah, il y avait un... Putain, je suis con, il y avait un bonus. Bon, tant pis. Eh, il va peut-être y avoir un moment donné où il y aura carrément la pièce DK dans un niveau bonus. Hein. Ça, j'imaginerais bien, ça serait une... une petite crasse qui pourrait bien faire. Ouais. Ah, il y a un terrain un peu comme dans la jungle, là. Enfin, bon. Là, c'est pas le coup de la banane pour symboliser la fin du niveau, j'aime bien. Bon, bah c'était bien sympa ce niveau. Alors, Wrinkly Save Point. Ah, voilà, pour sauvegarder. Waouh! Putain, la petite école, elle est montée en grade, hein. Alors, la musique, pour les nerds connaisseurs, enfin, pour les vrais connaisseurs, c'est la même musique qu'il y avait dans, donc, dans Mario 64 dans le château. Enfin, la même, c'est la même mélodie, quoi. Alors, Island Swing Lories 2, ouais, bah c'est un niveau d'âge, il a tous les coups, ça. Eh, c'est un peu compliqué, hein. C'est quoi cet arbre, il est bizarre. Bon. Récupère le cas, histoire d'avoir la vie à la fin. Voilà, tout un accordéon, là. Alors, il y a les oiseaux là, les vautours derrière, ils me perturbent tout le temps parce que j'ai l'impression qu'ils sont là, mais en fait ils sont derrière. Donc en fait on s'en fout un peu quoi. Ah putain, les guêpes. J'arriverai à récupérer ça sans tomber dans le vide. Ouais, c'est bon. Ah, ça sent le genre de niveau qui est le genre en général les premiers niveaux on perd des vies. Bon, moi ça a été avant déjà, mais c'est le premier niveau où ça devient compliqué, on va dire. Quoi? Ok, bande d'enfoirés. Bon, bah, moi je récupère ça. Putain, ils ont mis des tonneaux bonus qui vous ramènent au début. Putain, mais ouais, pas mal celle-là, ah, j'avoue. J'avoue que j'aime bien leur humour. Par contre là je suis sûr qu'il y a quelque chose là. S'il y a cette guêpe là qui est là, à mon avis c'est que ça cache quelque chose. Ah putain, mais quel con, je voulais le... Bon bah on va prendre celui-là. Pour dégommer la guêpe, on va essayer de faire ça comme il faut. Ah mais c'est pas vrai. Et évidemment le tonneau il n'apparaît plus. Putain. Essayez de voir quand même si on a l'ombre. Ah, il y avait le vrai bonus là. Bon, moi maintenant je sais qu'il y a ça. Évidemment, j'ai été malin, je n'ai pas pris la sauvegarde, ce qui aurait été malin. Et bon, oh, allez, hop. Retour aux sources avec les deux donc qui est Didi du début. Oula, oula. Et ouais, parce que quand Donkey Kong saute dessus, c'est directement d'être. Voilà. Ah, putain, bon. Ouais, parce que quand le petit, là, Didier ou Dixie, quand les petits sautent, ils peuvent sauter une deuxième fois. Et en gros, s'ils sautent qu'une fois sur la bestiole, ils peuvent la ramasser et la balancer sur un autre animal. Comme par exemple, bon, alors celui-là, on va éviter de le prendre, ce tonneau-là, hein, parce que... Putain, mais en même temps, j'aurais dû m'en douter, quoi, c'était trop facile, ça. Voilà. Et... Ah, j'aime bien leur truc, là, avec les... le faux niveau bonus. C'est marrant ça, ça il l'avait jamais fait. J'ai eu peur, je me suis demandé si on pouvait leur sauter dessus avec Didi. Hein, et c'est chaud quand même. On pourrait l'appeler détruisez les tous ce niveau, hein, parce que bon, finalement en fait, vaut mieux tout le monde détruire tout le monde. Vaut mieux tout le monde détruire, ouais. Vaut mieux tout le monde détruire. Oh putain. Et du coup, je sais pas si on garde en mémoire les bonus ou pas. Et eh ben on va tenter le coup, on va retourner dans le niveau bonus, hein, désolé. Ah putain. Ah, ça m'a l'air d'être assez aléatoire le singe, le deuxième singe qu'on reçoit en fait.
Wow, la maniabilité en attendant, elle est aussi bien que les originaux. Hein. C'est aussi réactif. Zoom, zoom, zoom. C'est trop ça, ces bruits de guêpes là. Bon, allez, c'est parti. Normalement, si le niveau, si la pièce est déjà ramassée, on va avoir un V dessus. Comme ça, au moins là, si on voit que la pièce était déjà prise, ben au moins. Et ben la prochaine fois qu'on rate, qu'on perd une vie après avoir pris une pièce, ben un bonus quoi. Ben, on n'y retournera plus. Donc, et ouais, elle est déjà prise. Ok, donc c'est bon. Maintenant, on sait qu'on n'a pas besoin de refaire le niveau bonus une fois qu'on a crevé. Alors là, on n'y va pas, hein. On a vu que c'est pas. Ah putain, il y a un. Attends, comment on fait ? On l'envoie là-haut, le bonhomme. Et on prend la sauvegarde. Ouais, tant pis pour les pièces. Quoi ce bruit ? Ah, mais c'est ce truc là qui fait ce bzzz. Enfin, c'est ceux-là quoi. C'est quoi cette merde? Ah, il est chiant ce bruit. Allez, c'est parti pour un deuxième tour. Ah, par contre, c'est cool, on a les deux singes toujours. On va après avoir perdu une vie. Oui. Bon, il y a quand même une légère différence de maniabilité. Ouais, ça va être la faute de la maniabilité d'ailleurs. D'ailleurs, il me reste combien de vies là? Faudrait que je fasse gaffe quand même avec ça. Il me reste une vie, putain. Game over, ça serait pas tellement une bonne chose là. Donc il faudrait que je sauvegarde. Faudrait surtout que j'arrête de perdre des vies bêtement. Ce qui serait cool, ce serait d'avoir Dixie. Mais non, mais putain, mais. Oh, mais sans déconner quoi! J'étais. Ah, mais chier. Normalement. Je crois que. J'espère que je vais pas refaire un autre niveau avant. Bon, par contre, du coup, là, il n'y a plus le. Non, c'est bon, il y a juste à refaire ça. Bon. Je vous le fais en off-screen vite fait. Et ben, je vous retrouve après. Et voilà, donc on se retrouve à l'endroit où on était tout à l'heure. Donc on va prendre le N. Bon, du coup, j'ai pas pris le K. J'ai oublié de le prendre, mais bon. Alors, hop. Et voilà. On recommence les conneries. Sans déconner, c'est quand même pas compliqué là. Enfin, je pense. Bon, moi j'ai Dixie, parce qu'elle, elle vole. Donc à la limite, ça peut nous servir dans le jeu plus tard. Alors, essayez de faire ça comme il faut cette fois-ci. C'est vraiment la merde! Comment on fait là? Galère! Et voilà que je commence à galérer déjà dès le début. Par contre, ça là, ça peut servir. J'ai l'impression que. Je les ai ramassés celle de tout à l'heure. Bon, ça y est, on y arrive. Yes. Alors. Hop. Alors, a priori, il faudra repasser par en haut après. Oulala. Là là là. Mais non, mais j'ai pas tiré. Putain. Quoi ce truc? Hein? Ah oui, c'est un tonneau caché, il y a la tête de Dixie qui était dessus. Ok, je comprends mieux. Ah putain, du coup on se retrouve de nouveau à un endroit comme ça. En fait, j'ai pas encore trop l'habitude de diriger les singes dans les tonneaux là. Alors ça c'est bien parce que du coup, lui, enfin elle ou lui, j'en sais rien. Lui, oh putain, et si je sais pas sauter là, on va pas y arriver. Hein. Ouais, bah on a un problème. Eh ben on va abandonner ce truc là.
Tant pis, désolé, on va faire... Non, mais putain, mais quel con, pourquoi j'ai pas activé la natte? Le mec il saute dans le vide quoi, enfin la nana plutôt. Ouais, vous me direz, oui, j'aurais pu préparer la vidéo en réglant ce problème de saut là. Ouais, faut que j'aille fouiller dans les forums s'il n'y a pas un problème quelque part. Et hop. Allez, un peu mieux. Et en fait, je vais peut-être aller. Non, alors ça, c'était la meilleure connerie que j'ai pu faire. J'ai essayé d'aller dans ce tonneau là-haut, là. Putain. Mais comment on y va sinon? Il y aura un autre passage, peut-être sinon. Oui, peut-être par là-haut. Je vais voir si... Non, mais bouge-toi, putain. Mais pourquoi il veut pas... Il a pas voulu se décaler. Oh, laisse tomber les pièces maintenant. Ça m'a gonflé, là. On perd des vies pour rien, là, je vous jure. Et la ferme. On va regarder si on peut monter là-haut. S'il y a quelque chose. Putain, mais qu'est-ce que... Ah, c'est pratique, quoi. Ah mais attendez, c'est peut-être là-haut qu'il faut aller. Ouais, a priori c'est là. Il va peut-être inverser les rôles parce que là le gros là qui peut lourd à porter lui. On va envoyer la petite Dixie. Pourquoi il arrive plus à monter là-haut? Ça a marché tout à l'heure. Et tu vas pas me dire que la petite elle est plus forte? Bon, on essaye. Putain, il a failli tomber dans le trou, le petit. Pour de bon. Ok. Bah, au moins, ça nous évite toute cette merde. Bah, en fait, non. Et voilà un autre game over. Putain, sans déconner, quoi. Bon, allez, petite coupure comme tout à l'heure. Essayez de faire ça un peu mieux. Ah oui, pendant ce temps, je vais vite jeter un coup d'œil sur un forum pour voir si il y a moyen de faire sauter les bonhommes avec les animaux. Putain, ça y est, enfin j'ai réussi. Bon, pour vous dire, j'ai coupé je sais pas combien de passages là, parce qu'honnêtement c'était la galère. Parce qu'en plus de ça, quand on fait l'hélicoptère, je sais pas pourquoi des fois elle s'arrêtait, enfin genre elle sautait, elle continuait pas et du coup elle tombait, voilà. Donc c'était la merde. Donc il y a quand même 2-3 trucs qui sont pas optimisés comme il faut. Mais du coup, on va pouvoir attaquer le Belchna, là, le boss, on va voir ce que c'est. Et après, ça sera assez pour aujourd'hui, et je vous dirai rendez-vous à la troisième partie. Putain, c'est quoi ce truc? Ah putain, oula oula. Comment, qu'est-ce qu'on fait avec lui, là? Ah oui, d'accord. À mon avis, je vais balancer du TNT dans la gueule. Ok. Ça, à mon avis, il a pas l'air d'être très coriace celui-là. Après ce qu'on vient de... Merde. Après ce qu'on vient de vivre à l'instant là, ça sera plus grand chose à côté ça. Bon, combien de fois il faut l'avoir en fait? Eh, il va de plus en plus vite hein. Et c'est tout bon. Yeah. Bon, je vous dis à la prochaine, au prochain épisode. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il mis contre World 1 completed. Ouais, bah putain, ouais, c'est pas sans peine. Hein. Donc, je vous dis à la prochaine pour le World 2, donc le deuxième monde. Je vous
donne juste le nom, c'est Cotton Top Cove. Allez, je vais voir rapidement. Waouh, ouf, hein. Bon, comme ça, ça vous donne envie pour la prochaine fois. À bientôt, ciao, ciao, ciao. Merci d'avoir regardé.